Spectacle désolant au quartier Mitanda au PK 27 dans le deuxième arrondissement de la commune d'Ontum. Des produits avariés enterrés à plus de 4 mètres de profondeur sous terre par certaines sociétés du Grand Libreville, puis déterrés par les populations qui expriment par cet acte la pauvreté. Le délégué spécial en charge du dit arrondissement, inquiet de la santé de ses concitoyens, avait tenté ce jour-là de sensibiliser les pères et mères de famille déjà bien engagés et déterminés dans la fouille, comme s'ils étaient à la recherche du diamant. Aidez-nous à vous aider. Parce que quand on vient de conversation, on me dit que ta mère là-bas est morte. Ça va me faire mal. On ne sait pas quels sont les produits qu'eux y mettent. Donc quand ça vient ici, quand nous on consomme ça, ce n'est pas bien. Ce matin, vous êtes venu à mon bureau, vous avez bien fait. Et nous nous sommes déportés jusqu'à ce lieu. Jusqu'à ce lieu. Vous-même, vous voyez que ce n'était pas de simples vidéos. Vous êtes venu toucher du doigt parce que vous avez voulu toucher du doigt. C'est une réalité. Et nous disons, plus jamais ça, au deuxième arrondissement de la commune d'Ntoum. Vraiment, plus jamais ça. Plus jamais ça au deuxième arrondissement de la commune d'Ntoum. La première autorité de l'arrondissement n'a pas informé de cette action, ni même le délégué spécial de la commune d'Ntoum. Dans quelques jours, une sensibilisation de proximité sera mise en place pour réveiller les consciences. Voyez-vous, c'est des produits avariés qui reviennent, ou d'Ovindo, ou d'Atanda, ou de Libreville. On vient, on enterre, et quand ces entreprises-là repartent, les populations viennent creuser, creuser, creuser. Comme si c'était de l'or qu'on creusait. Nous allons entreprendre, à compter de cette semaine même, sous la supervision de mon chef de cabinet, une campagne de sensibilisation. Mon chef de cabinet sera accompagné des gens du service cadre de vie. Ils vont faire le porte-à-porte afin de sensibiliser nos populations pour que nos populations ne soient plus exposées à de tels dangers. El Fox Mbina, accompagné de la délégation dépêchée par le délégué spécial en charge de la commune d'Ntoum, le général Samuel Ntoum et quoi, ont fait une visite du site pour mieux s'enquérir de la situation. Il faut plus donner ça aux gens qui sont.